On utilise la dorure sur les conducteurs en cuivre, car en dépit de sa conductivité inférieure à celle du cuivre, l'or est extrêmement résistant à la corrosion. En outre, il se comporte en lubrifiant solide, qui améliore le glissement entre pièces de contact. L'électrodéposition peut être effectuée de façon très sélective. On peut traiter un seul contact de connecteur, par exemple, ou l'ensemble du connecteur en une seule opération. On peut utiliser un kit de métallisation comme celui-ci. Il comprend une alimentation continue qui fournit les tensions nécessaires à la métallisation, un tampon pour chaque solution, de la bande adhésive conductrice en cuivre et de la bande d'arrêt, plus les fils de couleur noire et rouge destinés à relier l'alimentation au tampon. Le principe est celui de l'électrolyse. Dans la pratique, le procédé est d'une très grande simplicité. Cette plaque cuivrée va nous permettre de suivre chaque phase du processus de métallisation. On utilisera des solutions d'électronettoyant, de nickel et d'or appliquées à l'aide de trois tampons. Une étiquette identifie les trois solutions. La cathode ou électrode négative est fixée à la pièce. L'anode ou électrode positive est reliée au tampon et toutes deux sont reliées à la source de courant. La première opération consiste à nettoyer la surface à l'aide de solvant pour la débarrasser des corps gras. Puis, on applique la solution d'électronettoyant à l'aide du tampon alimenté en tension. Ceci élimine tout oxyde résiduel et rend la surface de cuivre parfaitement propre. Après rinçage à l'eau, la différence se voit parfaitement. On passe ensuite à la solution de nickel. Elle formera la couche écran nécessaire entre le cuivre et la couche de finition constituée par l'or. Un nouveau rinçage et la pièce est prête à recevoir l'or, apportant une conductibilité et un pouvoir lubrifiant élevé. Observons à présent le traitement d'une carte par ce procédé. Sur celle-ci, toutes les broches du connecteur doivent être redorées. La réparation commence par l'abrasion de la surface jusqu'au cuivre. Toutefois, si les contacts ont été accidentellement couverts de soudure, il faut d'abord les en débarrasser avec un dessoudeur avant de passer à l'abrasion. On procède ensuite à un nettoyage complet au solvant. Ne pas oublier qu'un nettoyage parfait est indispensable pour une bonne métallisation. On enrobe ensuite les trois électrodes avec du coton. Il faut utiliser une anode par solution afin d'éviter toute contamination. On en fiche les fils d'anode et de cathode sur l'alimentation et on règle la tension pour la solution utilisée. Cette tension peut être variable d'un système à l'autre. Aussi, lisez attentivement les instructions du fabricant. La préparation de la carte est simple. On utilise un morceau de bande de cuivre autocollant. Il relie entre eux tous les contacts à métalliser. Il importe de bien l'appliquer pour obtenir une bonne liaison électrique. Il peut être judicieux de vérifier la continuité entre chaque fil et la bande à l'aide d'un ohmmètre. On rend ensuite tous les contacts électriquement négatifs en reliant le fil de cathode à l'alimentation et à la bande de cuivre. Le fil positif est fixé à la première anode que l'on a trempée dans la solution d'électronettoyant. La procédure consiste tout d'abord à mouiller entièrement, à amorcer toute la surface, puis à appliquer le courant. Ceci débarrassera la surface des traces d'oxyde. Ensuite, on rince abondamment la surface à l'eau pour la préparer à subir l'opération suivante, le dépôt de la sous-couche de nickel effectué à l'aide de la deuxième solution. Là encore, toute la surface est mouillée avec la solution avant d'appliquer la tension. Rincez à nouveau complètement la surface à l'eau. Et le moment est venu d'appliquer l'or, en commençant par un mouillage complet avant d'appliquer le courant.
L'or offre la résistance à la corrosion et ses qualités de lubrifiant naturel. On procède à un dernier rinçage de la surface et on retire la bande de métallisation. Voici le résultat. Une métallisation de qualité industrielle effectuée rapidement sur le site de dépannage. Si on ne doit redorer qu'un seul contact, on peut simplement fixer une épingle sur la cathode et la placer sur le bord du conducteur. Après nettoyage et séchage des pièces nouvellement métallisées, il faut mettre le dépôt à l'épreuve pour s'assurer qu'il a bien adhéré au cuivre sous-jacent. On utilise pour ce faire un morceau de bande adhésive. Celle-ci est fortement appliquée sur la zone métallisée. S'il s'agit d'une carte sensible à l'électricité statique, la maintenir reliée à la masse. Cette précaution prise, retirez soigneusement la bande de cuivre. Le test consiste à retirer l'adhésif d'un geste vif et à examiner attentivement la bande et le dépôt. Ici, le dépôt n'a pas correctement adhéré à un des contacts, aussi faudra-t-il reprendre l'opération. Souvenez-vous que l'épaisseur du dépôt est fonction du temps, de la vitesse de déplacement du tampon, de la surface de contact du tampon, de la densité de la solution de métallisation et de la quantité de courant appliqué. Les renseignements dont vous aurez besoin pour satisfaire aux normes d'épaisseur de métallisation qui vous sont propres se trouvent probablement dans le manuel d'utilisation de votre matériel d'électrolyse. Sous la conduite de votre instructeur, vous allez procéder à une révision des sujets que nous venons d'étudier et porter, dans la partie notes de votre manuel, des indications sur les spécifications, les normes et les pratiques particulières à votre entreprise. Nous passerons ensuite à la leçon suivante, dommage.